Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est toujours un plaisir pour m'entrer la caillou pour me porter pour toute dernière information à travers le pays d'Haïti, tant que l'autre bord de l'eau. Jeudi, c'est mercredi 31 janvier 2024. Bienvenue dans le journal Créole, nous pour jeudi en collaboration avec VOA Créole. Actualité sous plan international, pays Iran annoncé la prépondre pays États-Unis en grand monde si toutefois l'est arrivé attaquer. Ambassadeur États-Unis dans l'ONU Linda Thomas Greenfield annoncé pays attendre plus en détail avant lui-même il a coupé financement li pour agence l'ONU pour réfugiés palestiniens yo. Dans pays d'Haïti, gros marché pour la paix organisé environ avec 2000 femmes dans l'idée pour demander la paix contre l'insécurité dans le pays. C'est pour ça yo avec divers lots nous allons gagner pour nous développer pour dans le journal là jeudi à rester branché n'a venu avec plus de détails. Une autre fois encore, bonsoir pour nous tous et bienvenue dans le développement journal Silla. Plus en passé, 2000 femmes sont sorties dans tout un raccoin, entrées dans la capitale là pour que capable bien annoncer une marche pour faire une marche pour la paix contre l'insécurité qui gagnait dans le pays d'Haïti. Et même à ça, il y a un peu de filles qui étaient même arrivées victimes dans l'attaque quand les gens avaient dans le côté que tu l'appelais lui-même, lui a dirigé contre mon cas pour faire un peu là-dedans. Ils ont fait comprendre, ils ont obligé de sortir pour que eux-mêmes soient capables et bien faire ma ça pour que eux-mêmes soient capables de montrer comment eux-mêmes sont arrivés victimes dans ça gain ah ouais avec une violence qui est basée à lui-même. Ils devaient contre mon en dedans cas pour fait yon divers tout moun an soti ensemble avec pancarte nan men avec yon série de écritoire pour montrer comment que même yo ta vle la paix nan pays d'Haïti. Plus que 2000 femmes sorti sans compter garçons qui étaient trouvé yo avec couleur blanche qui mesdames ça était maillot blanc gien qui était gien robe blanc jupe blanc sans pour montrer comment que yo décidé yo besoin la paix dans pays d'Haïti. Gien chef gang 400 Maozoa qui c'est Germaine Jolie alias Yonyon. Premier chef gang sa, zami internaute dans base 400 Maozoa lui-même jeudi il paraît devant juge fédéral dans pays États-Unis et ben lui-même dans jugement que lui-même li rivé gagné il fait comprendre que après que lui-même il était fini kidnapper 17 américains lorsque pays les États-Unis étaient rivé mettre main sous lui après et bien lui-même dans un jugement qu'un juge fédéral américain yo et bien c'est là gagné un chef gang 400 Maozoa li pral faire déclaration pour montrer et bien base 400 Maozoa moun qui te créé li moun qui mettait à l'existence et moun qui montrer comment qu'il est capable à faire pi bon kidnapping comment on fait bonjour kidnapping et bien c'est ancien député Jean-Tolbert Alexis lui-même qui était député en dedans quoi des bouquets et bien monsieur ça lui montrer après qu'il fin montrer chef gang nan fin montrer comment que c'est Jean-Tolbert Alexis qui forme base en 400 Maozo. Ça a l'irrité yon véritable tête chargée pour un pile moun qui a observé et tendé comment base 400 Maozo lui-même li te fait arriver exister. Genye yon groupe enfant, genye yon ami internaute Blamé qui trouvé yo en dedans Léogan, yo trouvé yo en grande difficulté. Situation ça, li onti jan vraiment compliqué pour monsieur agent sa yo qui trouvé yo en dedans Léogan. Nan yon interview que nous même nous te rive genye ensemble avec yon responsable Blamé yo en dedans cité Anakaona, il vient comprendre c'est avec en pile difficulté pour moun yo capable joindre manger pour yo manger parce que agent yo pa gen koba, yo pa gen manger pour que yo même yo capable manger meilleure façon que yo capable utiliser pour que vous capable joindre moyen pour fonctionner c'est avec grâce ensemble avec plateforme YouTube plateforme plateforme mon cash là yo créé pour que yo capable joindre l'argent pour mettre dans poche pour acheter manger capable fonctionner parce que yo pas capable traverser à cause des problèmes insécurité qui gagnent dans pays dans sens ça argent ou même en pile là-dedans qui commençait à en yo envie révolter
parce que pour gens situation les mêmes yo placé pour même yo bail sécurité alors que yo même yo pas gagné l'argent pour que yo même yo capable fonctionner. Gagné Martine Moïse, ancienne dame de ancienne première dame de la République, et bien madame ça li trouvé dans un moment la côté que gagné commissaire gouvernement Port-au-Prince Jean-Edler Guillaume, et bien qui voyait madame Martine Moïse devant tribunal criminel. Comme quoi que madame ça c'est un monde qui t'a participé dans assassinat ancien président qui c'est Maril qui jour qui était sorti 6 pour arriver 7 juillet 2021 et bien madame dans lui-même malgré lui-même il t'a demandé pour que Maril capable joindre justice dans tout côté en dedans pays États-Unis et bien Jovenel Moïse et bien il était déjà suspect d'après toute dernière information il était déjà suspect que membre qui est Martine Moïse lui participé dans assassinat ça et bien juge et bien gagné commissaire gouvernement et de Guillaume li mandé pour que dossier capable acheminer et que Martine Moïse avec plusieurs autres bien moun qu'elle choisit pour que capable voyer yo devant tribunal criminel pour que capable juger et pour connait est-ce que Martine Moïse lui-même l'a capable et bien rester en dedans prison ou du moins est-ce que lui-même l'a capable rester dehors. Entre-temps gagné pour un leader numéro 1 parti EDA lui-même la tout qui gagné pour quelque capable présenter devant tribunal criminel et bien gagne en pile monde qui trouvé en dedans parti EDA yo même yo voyé j'étais bien loin accusation ça comme quoi que gagné Claude Joseph li pa fait partie monde qui était participé dans assassinat président Jovenel Moïse et yo même montré comment que gagné Claude Joseph, lui-même ancien ministre sous ancien président Jovenel Moïse, qui lui-même c'est grâce à lui-même qui te permet que yo t'ai arrêté yon série de nègres nan question assassinat Jovenel Moïse là et gagné moun que lui-même yo beaucoup encore relé et bien yo t'a voulu faire comprendre gagné Premier ministre Ariel Henry lui-même qui t'a gagné non qui cité et droit li qui trempé dans assassinat ancien président Jovenel Moïse gagné prison cabaret prison femme non prison civile là et bien qui rivé boulé et bien monsieur gang en série de gang qui sorti plusieurs côté et tout partout et bien yo même qui rivé poser scellé yo entré dans prison et bien prison qui pas gagné en pile temps depuis que lui-même était fin inauguré prison qui t'a gagné environ 80 femmes là-dedans mais prison ça côté que toutes mesdames yo yo te gen retiré yo et nèg yo gang yo yo choisi entrer en de la prison madame mademoiselle et monsieur ayer et côté que yo retiré matelas yo prend panneau solaire yo prend en pile l'autre en série de sacs moun capable servir en dedans et bien moun sa yo non on a parlé a n'a pas faut comprendre gagné prison an nèg yo fin beauté tout ça qui la donne et puis yo mette du feu ça en pile moun a demandé qui côté ça qui les même ni pour aller parce que c'est un bagage que en pile moun pour capable arriver comprendre pendant tout argent yo même yo mette corps dehors nèg gang yo même yo entré et bien yo pillé tout ça qui gagnait par la suite du feu yo mette là en dedans prison civile cabaret. Entre-temps dans pays étranger gagné pays Iran lui-même li annoncé pendant que même li répond pays États-Unis pour répondre en grand monde dans le cas si toutefois lui-même li t'a attaqué là et bien gagné général là Salami lui-même qui fait comprendre que gagné gros attaque que Iran gagne gros attaque pays États-Unis semblait lui-même l'île en lancé sous Iran et bien pour et bien peuple ça madame mademoiselle et monsieur peuple islamique là y aurait été attendre dans le cas où si toutefois États-Unis lui-même l'état attaqué ou même pour que capable montrer comment moun fait guerre alors qu'il montre que li connaît très bien li fait comprendre que yo pas décidé faire la guerre yo pas sou faire guerre mais tout simplement yo connaît comment situation lui-même yo habitué fait guerre yo connaît qui ça États-Unis lui-même li pesé et États-Unis tout yo connaît qui ça qui pesé et bien général là il fait comprendre si toutefois américain yo t'a décidé attaquer yo même y a répondu gens qui ont répondu pour que même yo capable et bien mettre dos américain yo à terre parce que dans sa guerre avec guerre peuple islamique là eh bien yo pas joué ensemble avec Jean de Bagay sa yo gagne ambassadeur États-Unis dans l'ONU et madame Linda Thomas Greenfield li annoncé pays attend zami internaute plus détails avant que même yo ta coupé financement li pour
pour agence l'ONU pour réfugiés non palestiniens. Situation en dedans nous connaît vraiment compliqué pour monde qui a vivre dans territoire Gaza côté que monsieur israélien yo pas décidé et eh bien faire la paix du tout, yo pas décidé et eh bien même crève yo pas décidé faire, yo décidé pour que capable continuer et eh bien mettre plus et eh bien tirer sur territoire Gaza côté que population en dedans yo pas non yo pas ouais ni monter ni descendre et bien on fait comprendre que déjà depuis 7 ans octobre qui se passé là gagné 240 otages monsieur et monsieur militant à ratio même yo té saisi pour yo et bien jusqu'à présent gagné en pile monde malgré que même yo té déjà libéré déjà gagné en pile qui était dans mais yo et bien yo décidé pour que capable et bien libéré pour décider pour que yo capable et bien finir ensemble avec quand monsieur militant Hamas dans territoire Gaza pour comment que capable libérer otage sa yo yon façon pour que ça capable fini et même yo fait comprendre tout même lorsque tout bagay ta censé fini tout autant que ta gagné yon militant Hamas qui existait en dedans Gaza faut yo éliminer yon façon pour gagner un grain militant qui existait en dedans territoire ça. Voilà amis internautes, c'est tout point ça yo qui nous t'arrivé pour dans journal ça. Merci d'être côté pour attention ensemble avec nous. Restez connectés avec nous et bien n'a quitté ensemble avec VOA Creole pour plus de détails. Jour dans mois de janvier déjà n'a dit nous passer un bon mois février. Moi c'est Jacques Belizer, avec un grand point cap dominé actualité. Actualité internationale, pays Iran annoncé la prépondre kif si États-Unis attaquent. Ambassadeur États-Unis dans Nations Unies Linda Thomas Greenfield annoncé pays attend plus de détails avant de couper financement li pour agence Nations Unies pour réfugiés palestiniens. États-Unis toujours chambre députée a avancé dans direction yon mise en accusation contre ministre sécurité intérieure Alejandro Mayorkas. Et puis en Haïti marche pour la paix dans capitale la Port-au-Prince en faveur sécurité et contre violence gangame. Et c'est point ça yo avec l'autre encore nous va le développer pour dans programme ça que VOA Creole a présenté et actualité a mené nous d'abord dans un point qui a dominé actualité ça c'est pays Iran qui a annoncé que la répondre kif si États-Unis attaquent elle. Sandra Lemer gain détail. Iran menacé pour répondre de façon décisive n'importe quelle attaque États-Unis a lancé contre République islamique là. Général Hossein Salami, c'est chef garde révolutionnaire paramilitaire pays Iran. Monsieur dit, nous disons ou déjà fait expérience avec nous sous champ de bataille là. Nous déjà connaît qui ça ou qu'a fait tout. Nous gain ça en commun, youn kon not là. Nous connaît ou pas qu'a quitter aucune menace sans réponse. Nous pas chercher faire la guerre, mais tout, nous pas peur la guerre non plus tout. Menace à Avini, un jour après président Joe Biden t'a dit Téhéran connecté à la mort 3 soldats américains sur une base militaire dans le pays Jordanie. Il dit, pas quoi nous besoin de la guerre dans le Moyen-Orient, c'est pas ça m'a cherché. États-Unis fait qu'on ait l'appareil pour lancer attaque comme représailles pour attaque avec drone qui était déroulé dimanche et qui blessait au moins 40 soldats américains. Gain qu'à sauter parce que attaque additionnelle américaine est capable de chauffer plus. Situation dans la région qui déjà a goumé pour gérer conséquences la guerre Israël-Hamas là et puis tout attaque rebelle outil continue à lancer contre bateau dans la mer Rouge là tout près Yémen. Responsables américains ont déclaré mercredi que un bateau la guerre force navale États-Unis te descend un missile croisière anti-bateau que rebelle outil te lancé. Sandra Lemer, VOA Creole, Washington. Merci Sandra, on a prêté toujours dans un sujet qui a un rapport avec la région Moyen-Orient. Pendant audience a fait sous accusation qui pesait sous dos employé agence Nations Unies dans Palestine pour affaires humanitaires UNRWA, et bien région Gaza toujours en bas attaque l'armée pays Israël. Gentil Augustin Junior, gain mise à jour.
Après Israël t'a accusé 12 employés UNRWA Gaza parce qu'ils ont participé à l'attaque mortelle Hamas en Israël, Ayema dit 30 janvier, secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres t'a rencontré avec 35 États membres et Union européenne pour discuter sous agence Nations Unies pour secours et travail pour réfugiés en Palestine. Avec accusation sous mauvaise conduite employés yo. Alors que habitants dans région Gaza toujours à vivre dans mal cité et la guerre yo a intensifié dans Moyen-Orient. UNRWA is the problem. UNRWA c'est problème là. UNRWA fait partie ça qui t'est passé 7 octobre là et l'a continuer rivé si nous continuer financer. Comité affaires étrangères chambre américain t'est organisé une audience sous mission UNRWA. Nan mi-temps accusation que quelques personnels UNRWA t'est impliqué dans attaque Hamas t'est fait sous peuple Israël là 7 octobre passé ya. Yon témoin dans audience là t'est déclaré. I've come here to ask the Moi t'est vinn ici là pour mander Congrès États-Unis qui c'est plus gros donateur pour UNRWA pour plus passer 300 millions de dollars chaque année pour non seulement suspendre mais couper financement pour tout bon et puis prend initiative pour craser une organisation qui chargée avec encouragement raissement participation dans terrorisme et faire la guerre durer plus longtemps. Parmi tous témoins qui étaient dans l'audience, Mara Woodman pensait assistance États-Unis essentielle pour Moun Gaza. USAID to UNRWA is assistance États-Unis by UNRWA essentielle pour satisfaire besoins primaires palestiniens, particulièrement dans Gaza. Elle est essentielle pour sécurité peuple Israël là et États-Unis. Pour ambassadeur palestinien dans l'ONU, donateur yo doit reconsidérer décision yo te prend pour suspendre financement yo. This is not the time. C'est pas moment pour kembe ou soit suspendre bay l'argent. Nous espérer que réunion ça pour pays yo qui te prend décision en suspendre, examiner, reconsidérer, réfugié palestinien yo ta doit prendre en charge, yon wa ta doit récompenser. Ambassadeur pays la Chine dans Nations Unies te dit qu'elle était choquée ak accusation yo. Était continué pour dire. Assassinat yo a continué. Souffrance peuple là a continué. Donc, quel que soit ça qui rive, nous pas ta doit permettre qu'à individuel ça yo dévier attention nous pour mander yon suspend tiré plus vite possible. Nous croyons que li igen. Pendant toute discussion ça yo a fait sous accusation sous employé UNRWA yo, attaque la mais Israël sous région Gaza a continué. Autorité la santé Gaza yo te dit 26900 Palestiniens te mouri dans la guerre depuis après combattant Hamas yo qui sorti Gaza te attaqué ville israélien yo 7 octobre passé ya. Yo te touye 1200 moun et puis yo te prend 240 otages d'après autorité israélien yo. Gentil Augustin Junior, Washington pour VOA Creole. Et puis toujours dans les Nations Unies, toujours concernant l'actualité dans la région Moyen-Orient, ambassadeur États-Unis dans les Nations Unies, Linda Thomas Greenfield, eh bien, elle dit que le département d'État a obtenu résultat enquête l'a mené sous l'Agence des Nations Unies pour réfugiés palestiniens qui ont accusé dans l'attaque à Hamas 7 octobre avant que l'ité réponde ou reprenne plutôt financement li pour l'agence en parlant de financement Washington, Valérie Saint-Louis depuis New York. Ambassadeur États-Unis des Nations Unies, Linda Thomas Greenfield, t'est parlé à reporter hier mardi 30 janvier après une brève rencontre dans le Conseil de sécurité des Nations Unies sur assistance humanitaire dans la zone Gaza. Ambassadeur a noté que les États-Unis étaient très bouleversés par l'accusation qui a porté sur 12 employés agence des Nations Unies pour réfugiés palestiniens, UNRWA, qui ont dit qu'ils ont participé à l'attaque 7 octobre contre le peuple israélien, ce qui est la cause que le département d'État a suspendu temporairement le financement pour l'agence UNRWA. Ambassadeur États-Unis dans les Nations Unies a accueilli enquête qu'a faite sous 12 employés SAO. Elle dit lui-même avec l'autre représentant pays donateur, il pourra le rencontrer avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. The United States was extremely troubled by the allegations that 12 UNRWA employees may have been involved in the attack on October 7th. États-Unis étaient bouleversés en pile par accusation que 12 employés UNRWA, agence secours Nations Unies pour réfugiés palestiniens, t'es qu'à participer à l'attaque 7 octobre-là.
Et puis, comme on connaît, le département d'État est temporairement, j'en ai remarqué, suspend temporairement financement additionnel li pour UNWRA pendant la prévisée acquisition Sayo. Acquisition Sayo avec l'étape Nations Unies apprend pour adresser yo. Lundi passé, Israéliens ont sorti un document côté qui explique l'accusation Sayo contre une douzaine d'employés Nations Unies qui ont dit qu'ils ont participé à l'attaque à Masla qui était faite 7 octobre. Ils ont fait accusation, dit que y a 7 employés Sayo qui étaient débarqués sous territoire israélien. Et il y a là qui était participé dans un kidnapping avec une autre qui lui-même t'a aidé voler cadavre d'un soldat selon accusation yo. Ambassadeur Linda Thomas Greenfield t'a continué parler pour le dire. So I'm not going to get ahead of the investigation that they are conducting, but I know that we need to see fundamental changes before we can. Moi pas pral prendre devant enquête qu'a fait yo, mais moi connais que nous besoin ouais changement fondamental avant que nous ka commencer retourner by financement directement à UNWRA. Et puis comme on connaît, nous pas ta doué quitter ça déranger gros travail UNWRA fait. Agence UNWRA te baille peuple palestinien assistance humanitaire essentielle. Et puis UNWRA, c'est seule organisation souterraine qui gagne capacité pour continuer baille assistance ça. Ensemble avec personnel lien qui a fait un travail extraordinaire, ils ont littéralement sauvé la vie des milliers de monde. Bon côté parler, secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a fait une réunion avec le représentant pays donateur dans le quartier général des Nations Unies dans la cour New York, hier mardi, pour discuter sous conséquences accusations ça a gagné, qui était fait sous 12 employés agence Nations Unies pour réfugiés palestiniens yo, et qui était impliqué dans l'attaque à Masla qui était faite 7 octobre. Accusation ça a vini après plusieurs années de tension entre Israël ensemble avec l'agence ça, que yo reconnaît comme UNRWA sous travail que l'a fait dans Gaza, côté que l'agence ça a employé à peu près 13 000 mounes. UNRWA, c'est pigou agence qui a baillé aide dans Gaza, côté que la guerre peuple Israël là contre Hamas est déplacée. Une vaste majorité population dans zone territoire côté que gagne catastrophe humanitaire. Autorité Nations Unies dit que gagne un cas dans population ça cap mouri grand goût dans zone ça. Accusation ça eux compte employé agence Nations Unies pour réfugiés palestiniens te poussé États-Unis avec plusieurs autres pays donateurs frise l'argent que te compte bail agence là ou l'argent qui important en pile pour agence ça qui considéré comme un sauveur pour palestiniens qui désespéré dans zone Gaza. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis depuis New York. Faut dire que l'autorité israélienne a toujours demandé pour démanteler UNWRA parce qu'elle dit que son mission qui démodée, mais l'agence a lui-même dit que ben mission toujours là dans Gaza et puis dans l'autre pays qui tout près autour. Et puis n'a pas les guerres toujours, la Russie avec l'Ukraine fait un boucan de prisonniers, mais ça n'a pas empêché que la Russie continue à pilonner l'Ukraine. Serge Rodriguez. La Russie utilise drone pour attaquer objectif civil dans la deuxième plus grosse ville dans l'Ukraine, Kharkiv, journée mardi 30 janvier. Côté li blessé trois monde, yon bagay qui provoqué yon incendie dans yon appartement et causé dégâts dans quelques infrastructures, d'après responsable gouvernement local, ville Kharkiv. Autorité dans la ville là publié images sur médias sociaux qui montrent explosion dans diverses fenêtres d'un complexe appartement dans le quartier Slobidisky. En plus de ça, l'attaque a causé dommages dans deux ventes magasins et détruit machines qui étaient parquées dans la zone. Agence Nouvelle Reuters rive confirmé en placement building nan, grâce à couleur, forme, mettait à structure pour entrer une pharmacie tout près, avec portail un supermarché, semblé un hôpital. Mondeka ouais sur vidéo. Vidéo a matché avec image archive pour zone. Cependant, l'agence Nouvelle Reuters pas en mesure pour vérifier date de filmer image ça. D'après sa gouverneur région Kharkiv, Oleh Sinehubov, écrit sur compte Telegram, il y a au moins 6 drones qui étaient impliqués dans l'attaque. De l'autre côté, la Russie et l'Ukraine ont fait connaître jeudi mercredi, ils ont complété un gros boucan de prisonniers malgré l'accident d'un avion de transport russe semaine passée. Et d'après Moscou, c'est l'Ukraine qui a descendu l'avion qui a transporté prisonniers de la guerre ukrainienne. Tous deux pays ont fait boucan de prisonniers de temps en temps depuis la guerre a été éclatée, ça gagne presque 2 ans. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Et bien, actualité a ici aux États-Unis, il y a une chambre députée qui est sous route pour faire sa relation mise en accusation, sa relation impeachment là, contre le ministre de sécurité territoriale là, en parlant de Alejandro Mayorkas. Jean-Robert Philippe va suivre le dossier pour nous. C'est un dossier que, qui a une politique là-dedans, mais qui a une immigration là-dedans et qui a une question frontière là. Effectivement, j'en dis à Raclin, c'est une nouvelle qui bat un peu l'inquiétude, surtout qui bat l'administration un peu l'inquiétude. Le fait que le comité dans la Chambre des députés a voté
pour ces articles pour mettre le ministre de sécurité en accusation. En tout cas, c'est une décision qui prend tout dans le moment que les républicains ne pas suspendre, reprocher ou bien rendre l'administration responsable. Ça est considéré comme quantité d'immigrants qui ont présenté sous frontière sans document légal et qui ont cherché à être aux États-Unis. Il y a une accusation que les démocrates ont porté des mentir, ont dit qu'il a fait effort, mais il faut que les républicains aident. Le comité de chambre députée américain républicain contrôlé a approuvé article pour mettre en accusation le ministre de la Sécurité intérieure américain Alejandro Mayorkas dans un vote qui déroulait bien tard mardi soir. Décision en prend dans un moment tension politique a augmenté sous question immigration. Dans un moment républicain a critiqué quantité immigrants qui ont traversé frontière sans document légal depuis 2021, année président Joe Biden a commencé à diriger le pays. Député Mark Green, président du comité de sécurité intérieure chambre députée, a déclaré: That is why today we present this committee with the articles of impeachment against Secretary Alejandro Mayorkas. C'est raison qui fait jeudi à nous présenter par le comité à article pour mettre ministre Alejandro Mayorkas en accusation. Vote là côté démocrate voté à des démocrates et républicains voté à républicains, eh bien voté article mise en accusation qui accusait ministre Mayorkas qui intentionnellement encourageait immigration illégale avec négligence politique et puis violait confiance publique là avec une série de faux déclarations qu'il fait par le Congrès. Démocrature considère effort pour mettre le ministre Mayorkas en accusation comme un complot politique. Expert constitutionnel a déclaré critique républicaine au fait pas satisfait niveau élevé mis en accusation pour mauvaise conduite. Republicans have ignored the facts and misrepresented the law. Député Bernie Thompson, démocrate replacé dans le comité, a déclaré « Républicains ont ignoré les faits et mal interprété la loi pour justifier l'action. » Mais la loi claire, même genre avec dossier ministre, d'utiliser toute autorité qui est disponible avec tir sous Congrès à Bali pour sécuriser frontières. Ministre Alejandro Mayorkas, un ancien procureur fédéral, défend dossier application de la loi sur immigration dans une lettre livrée par le président comité à Mark Green. En commençant au mois de janvier, le ministre Mayorkas était volontaire pour le présenter devant le comité A pour le défendre tête. Mais les républicains continuent le débat pour mettre en accusation sans y patimoyer. Le président Biden a endossé sur une passe A. Ils entendent deux parties de travail dans le Sénat qui sont capables de faire le président nouveau pouvoir pour retourner au Mexique immigrants qui cherchent à rentrer aux États-Unis sans document légal. Ancien président Donald Trump, qui est en tête candidat qui a cherché nomination parti républicain pour l'élection novembre 2024, mandé parlementaire pour rejeter toute entente avant l'élection novembre qui pourrait déterminer contrôle Maison Blanche avec Congrès. Now last Friday, President Biden came out in support of the Senate's deal, which we haven't seen yet. Président chambre députée Mike Johnson, qui t'a parlé dans la chambre députée mercredi 31 janvier, l'a guéri d'autres sujets forts deux parties ont fait pour renforcer sécurité sur frontière. Responsable là fait qu'on est président. Président Biden n'a pas besoin de nouvelles lois pour tacler le problème de l'immigration sur frontière. M. Johnson signale un compromis qui a négocié dans le Sénat, démocrate contrôlé, capable de difficulté pour le passer dans la Chambre des députés. Dossier mis en accusation, ministre Alejandro Mayorkas pour aller devant la Chambre des députés au complet pour un vote. Si vote a passé dans la Chambre de la République contrôlée, eh bien, dossier qu'on a pris devant le Sénat qui pourrait faire un jugement. Il y a possibilité pour le Sénat que démocrate contrôlé. Pas jeune ministre Mayorkas coupable. Jovel Philippe, VOA Creole, Washington. Donc c'était actualité au point de vue international. Nous pour aller dans l'actualité dans le pays d'Haïti, surtout avec une marche pour la paix dans un petit moment. Et oui, toujours sur VOA Creole, on suit un programme dans la langue créole haïtienne. T'as compté annoncer le nombre d'actualités concernant le pays d'Haïti. Côté, ils ont groupé femmes engagées. Ben, ils prennent la rue Port-au-Prince pour une marche pour la paix, pour côté à dénoncer insécurité. Massadoville mettait sur place. Nous-mêmes, femmes pays d'Haïti, qui prend responsabilité, nous, pour une marche chaudière pour la paix et la sécurité. Nous voulons faire un seul peuple. À cause famille, c'est catégorie moun qui pi vulnérable devant zak violence qui a régné sur tout territoire. C'est principale raison qui force organisation famille marcher dans la rue Port-au-Prince pour demander la paix et la réparation pour si la yo
qui victime en bas phénomène insécurité. Moi tu grand vinn pou les quatre personnes pour moi. Yo violé moi. Moi dans la rue. Quatre petites moi, m'pa ka manger, m'pa ka bre, m'a mande justice ak réparation ak l'état pays. Je ne peux pas dire ça, je ne peux pas dire ça, je ne peux pas dire ça. Quand il y a eu un verre sur moi, je vais me parler, je vais demander justice, réparation pour accompagnement à l'état pays. Si vous parlez vive ou à pas, mesdames protestataires ont opté pour dialogue avec l'organisation élection dans le pays. Bon, nous-mêmes, famille, par contre, on est nommé, il n'y a pas de mission qui cap solution pays. Nous avons pile moun aller, en pile moun démissionner, mais pas chambre grand rien qui fait. Nous pas demander démission nous-mêmes, nous demander la paix, nous demander sécurité dans le pays. 7 février, Jean-Baptiste Bala a fait même bagaille là. N'a demandé union nationale. Côté toute frère, toute sœur, chita sur même table pour sauver Haïti qui c'est seul pays nous gagnons. Selon organisateur mouvement Sila, il y a environ 2000 femmes qui démarchent dans la capitale là pour demander la paix et la sécurité et puis demander tout déploiement force multinationale là. Fait nous dit Sophia qui représente nous en deux ministères, qui représente nous en deux gouvernements ça. Nos conseils des ministres mandé pour nous pour nous accentuer, pour nous parler plus plus sur question arrivée force internationale là et bravo mesdames. Oui. Sophia Loréus, qui est ministre condition femme. Tendez-nous, et parce que nous bouquons. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massia Dovimé, pour Viroi Créole. Nous avons toujours dans Port-au-Prince, côté Premier ministre Ariel Henry, ouvert hier à 10. Il y a une réunion, comité sectoriel, programme pour un coup de main pour la police nationale. Là. Yves Manuel, gain détail. Ministre Ariel Henry inauguré première réunion comité pilotage programme coup de pouce avec police nationale d'Haïti. Initiative ça visait renforcer capacité opérationnelle et institutionnelle institution dans allocution li pour le ministre souligner l'important pour renforcer effectif police nationale là et mettre moyens à disposition li pour combattre banditisme là. La PNH a besoin d'équipement en quantité suffisante pour répondre aux attentes de la population qui fait face à une recrudescence des actes de violence en tout genre, assassinat, kidnapping, viol, vol, limitation de la liberté de circulation, les menaces explicites contre la vie des gens qui empêchent les enfants d'aller à l'école et les tentatives de déstabilisation. Premier ministre, de l'autre côté, bat bravo pour engagement gouvernement kenyan prend pour respecter obligations internationales. Les souligner importance mission multinationale appui à sécurité dans pays d'Haïti et insister sur rôle premier PNH là dans protection population. Il incombe à la PNH d'assurer seule avec les moyens dont elle dispose la sécurité de la population. Ce ne sera pas facile tous les jours, mais nous allons faire le travail. Plus loin, chef gouvernement fait connaître programme coup de pouce avec police nationale là a privé dans boutli dans quelques mois. Actuellement, il y a pour plus petit 30% dans l'argent qui a loué à programme ça qui est engagé. Ariel Henry plaidé pour prolonger programme là de 18 mois à 24 mois. J'appuie donc la proposition contenue dans le rapport d'envisager une prolongation de 18 à 24 mois le projet en vue d'atteindre les objectifs du programme, surtout en matière d'infrastructure. Enfin, comité pilotage programme coup de pouce avec police nationale d'Haïtien, Canada, États-Unis, Canada, Japon, Allemagne, système Nations Unies et Union Européenne. Moi c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Créole. Et puis, un défenseur droit monde, Maître Arnel Rémy, mandé pouvoir en place là, prend toute disposition pour reprendre contrôle prison civile, femme cabaret, bandit armé, et prend contrôle hier, mardi 30 janvier 2024. La plus de détails avec Ronan Toussaint. Maître Arnel Rémy, qui est président collectif avocat pour défense droit monde, cadeau, dénoncé le fait que
bandi armé prend contrôle ak mette du feu dans prison civile femme Kabaria dans commencement soirée mardi 30 janvier 2024 devant ce douamoun lancé appel pour mander autorité compétente assumer responsabilité pour permettre à ce que yo reprenne contrôle prison civile Kabaria. Nous t'a souhaité que autorité concernée yo yo dégagé yo yo affronter ça veut affronter à savoir mettre calme et la tranquillité dans la société, récupérer l'espace et pourquoi pas aider à récupérer, à reprendre l'espace ça, parce que franchement c'est seule prison qui a gagné. D'ailleurs nous avons surpopulation carcérale déjà dans plusieurs prisons, donc le nouveau espace qu'on s'est appelé prendre, donc c'est la faiblesse de l'État, c'est la faillite de l'État, donc cadeau déplorer ça. Et nous avons demandé de DGLB dégager le commerce Jean-Jacques pour récupérer l'espace que Bandi prend bien dans le niveau cabaret. Nous avons rappelé que le centre carcéral prison civile, femme cabaret, qui était la donne plus passé 80 détenus, était déjà transféré dans la prison civile d'Elma 33. Renan Toussaint pour VOA Créole. Port-au-Prince. Actualité à peine nous dans le département sud pays à côté te gen une cérémonie action de grâce pour libération 6 religieuses bandits de kidnappés Jean-Ernst Eliska. Père, mais fidèle l'église catholique qui dans diocèse Okaï organisé une cérémonie pour dire bon Dieu merci pour libération 6 mères congrégation sœur Saint-Agnio bandits et kidnappés dans Port-au-Prince 19 janvier 2024 qui s'est passé là. En ces circonstances là Père Jean-Marcel Louis qui t'a dressé un tableau sous situation malouk peuple haïtien a fait face dernier jour ça yo mandé premier ministre Ariel Henry à tout ministre qui dans gouvernement là pour bailler démission yo. N'a dit jodi a non seulement il faut que quelque chose change, n'a dit il faut que le premier ministre change. Il faut que le premier ministre suite du pape Jean-Paul II a dit il faut que le gouvernement il faut que le gouvernement à la suite du pape Jean-Paul II a dit il faut que la ministre il faut que la ministre à la suite du pape Jean-Paul II a dit il faut que les autorités il faut que les autorités prêtre catholique là qui appuyait mouvement qu'a fait à travers pays contre pouvoir en place là encourager population pour continuer occuper béton jusqu'à ce que chef gouvernement retire col sous pouvoir. Tout autant non pas rentrer dans chambre non pas quitter salon. Déclaration père Jean-Marcel Louis dans une cérémonie père à mère diocèse Okaï était organisé dans paroisse Saint-Michel Okaï pour bailler bon Dieu gloire pour libération 6 messieurs Saint-Agnio, bandits et kidnappés dans Port-au-Prince. Jean-Ernst Eliska, VOA Créole, Okaï. D'abord, on est dans la diaspora. Aujourd'hui, c'est 31 janvier, c'est le dernier jour, mois janvier, donc mois indépendance pays d'Haïti. Nous allons rejoindre Jude de Onseré. Célébration fête indépendance pays d'Haïti, pas qu'au fini dans l'État Floride. Sous initiative commissionnaire Melissa Donne, main en main avec comité pour mobilisation haïtienne en ville Lauderhill, yon journée qui potait nom Haitian Independence Month Arts and Culture Celebration, t'est arrivé déroulé samedi 27 janvier à sauté midi pour arriver 5e après-midi. Musique, danse, manger, performance artistique avec présentation comité organisateur, t'est marqué journée célébration. Madeline Noël, qui est une coordonnatrice événement, a dit nous, côté idée a sorti. Eh bien, idée a sorti côté mobilisation, hein? C'est parce que nous, ouais, dans la communauté, hein? Nous besoin pour nous capables de gagner plus de collaboration, nous besoin pour nous capables de rejoindre. Inu peuple et puis le ça nous présenter idée à commissionnaire et lui embrasser idée qui vient permettre nous capable réaliser premier Haitian Independence Arts and Culture Celebration ici là dans Lauderhill.
Jusqu'à présent, nous satisfaits. Nous satisfaits de présence publique là. Nous satisfaits de présence élus officiels dans différentes villes qui présentaient après-midi, qui réunis ensemble avec nous. Et c'est ça nous remet. C'est ça nous t'es espéré pour nous être capables de jouer une communauté, pour nous être capables de faire en selle. Bon côté parlé, commissionneur Mélissa Doun, qui est principal responsable journée célébration, a expliqué l'importance d'un rassemblement comme ça qui déroulait. Première fois dans Ville Lauder Hill. Événement ça a fait en collaboration avec comité mobilisation haïtien dans Lauder Hill et c'est façon panneau pour nous célébrer culture haïtienne et honorer contribution haïtienne pour développement ville là. Nous t'ai croisé sur route nous avec docteur Nadia Assad qui est candidat pour city commissionnaire dans Ville Lauder Hill qui a expliqué nous présence li. Non, événement. Et nous là pour nous célébrer ni culture là, ni aspect politique là, ni aspect et financier là. Donc c'est pour ça que je me la jodi. Bon côté parlé, Miguel Aï Pierre, lui même tout qui est candidat pour city commissionnaire dans Ville Lauder Hill, t'es présent. C'est bien passé. Moins content année qu'a venu, moins souhaiter que nous gagnions plus haïtiens pour qu'il a pour nous fêter plus, pour nous manger, pour nous enjoy nous. Qui sont des pires maintenant soir aujourd'hui là? Performance là, moi j'étais avec Griot. On est nouveau. We can go wrong with Griot. So donc maintenant mais tout ça à faire. Hein? Mouche sac. Plus, non, tout en pile bagarre attirer attention. Mais ça qui attire, c'est gens que nous mettons nous ensemble pour nous comme un peuple et puis pour nous célébrer la culture. Nous. Pour nous finir, organisateurs promettent que c'est pour une tradition dans la ville de Lauder Hill pour célébrer l'indépendance pays d'Haïti chaque année, dernier samedi, mois janvier. Non, Pam, c'est Jude Ronsré pour VOA Creole, ville de Lauder Hill, État Floride. Non, Pam, c'est Jacqueline Bélisère. Rendez-vous demain pour un autre rendez-vous info. Bonsoir.